Yo l'équipe, c'est Alex City, j'espère que vous allez bien les mecs. Non les gars, je crois qu'on a trouvé le mec qui a fait arrêter la carrière du Usain Bolt. C'est clairement pas humain de courir à une telle vitesse sur un terrain de foot, je pense qu'on est tous d'accord. Bon, pour ceux qui sont présents sur la chaîne ces derniers temps, vous l'avez déjà vu le clip. Le mec est sur un terrain de foot, mais t'as l'impression qu'il est en délétude tellement c'est rapide. Écartez-vous! En vrai de vrai les mecs, vous l'avez compris avec la petite intro de la vidéo, on va voir aujourd'hui les joueurs les plus rapides de l'histoire du football. Forcément avec un sprint pareil, je me devais de refaire et de remettre à jour ce fameux top 10 que j'avais réalisé il y a de ça plus d'un an sur la chaîne YouTube, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Je compte sur vous pour lâcher le petit pouce blanc en dessous de la vidéo, hein. Comme je dis très souvent, ça me permet de référencer la vidéo sur YouTube et ça me fait vraiment grave plaisir. Je perds pas plus de temps que ça, et on est parti. Comment ne pas mettre Theo Walcott dans un type de vidéo pareil les amis, voilà c'est le mec que t'associes directement à la vitesse pour ceux qui jouent à FIFA. On sait tous que c'est un mec que tu prends forcément pour la vitesse. Hector Bellerin, les amis, vous avez compris que c'est le latéral droit d'Arsenal que tu peux également associer au terme de la vitesse, hein. Tu vois, les attaquants ont besoin de vitesse dans le foot. C'est un défenseur, mais pourtant... Aubameyang, c'est un maître de la tectonique. Mais à côté de ça, c'est capable de te taper des sprints aussi rapides qu'un 100 mètres du Usain Bolt. On retrouve notre deuxième défenseur de la vidéo, l'équipe Antonio Valencia. Cette fois-ci, ça va très très vite. Là aussi, ça va même plus vite qu'Aubameyang, Walcott et Hector Bellerin. Lui, vous voyez les mecs, ça doit vraiment lui faire bizarre d'évoluer à côté d'André-Pierre Gignac au Mexique. Second degré les amis, bien sûr qu'André-Pierre Gignac est un très bon joueur, en tout cas là-bas au Mexique. Il en met des buts, j'ai vu. Mais son coéquipier, les mecs, c'est pas des buts qu'il met, non, c'est des pointes de vitesse extraordinaires. On passe à Mohamed Salah. Ah, Mohamed Salah, c'est impressionnant là encore, hein, quand tu vois sa vitesse, sa petite taille. Franchement, il a une fréquence quand tu regardes ses jambes. Alors, je sais pas pour vous les mecs, mais vous me direz en commentaire. Mais déjà, moi, en regardant sa dégaine à Kings and Commons, bah, je sais directement que c'est un mec qui a une pointe de vitesse extraordinaire. Désormais dans le top 3 l'équipe, et je pense que vous avez déjà les 3 places des joueurs qui vont apparaître par la suite. Pour commencer, on a Gareth Bale, c'est en finale de Coupe du Roi en 2014, donc il a quand même porté ses couronnes, tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, il sort du terrain pour aspirer l'âme de Marc Bartra, et à la fin il y a but à la concrétisation. Un clip que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo sur la chaîne les amis, pour ceux qui se souviennent, j'avais même mis Usain Bolt en arrière-plan pour les comparer un petit peu, et je me suis rendu compte d'un truc en fait, ils sont partis du même moment, du même endroit plutôt, et sont arrivés au même endroit en même temps. Bon, après c'est vrai que la distance de Bale n'était pas aussi équivalente de 1500 mètres, mais tu vois quand même qu'il est ultra rapide. Deuxième place les amis, Arjen Robben durant la Coupe du Monde 2014 contre l'Espagne. Franchement, il avait tapé un sprint. Tout le monde s'en rappelle, j'imagine. Pas sûr qu'il arrive à le refaire avec son âge désormais. Et en
enfin, pour conclure en beauté, vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, le mec en Indonésie qui t'a tapé un sprint. Pas de commentaire, c'est tout simplement exceptionnel. Enfin bref, voilà l'équipe, la vidéo d'aujourd'hui touche désormais à sa fin. Vous me direz ce que vous avez pensé des différents sprints que j'ai mis dans la vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire ça proprement. On a vu que le joueur le plus rapide, bah, c'est un Indonésien, assez exceptionnel, on va pas se mentir, ça s'est passé de ça un mois en plus, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Bref, je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était LexG. Ciao, ciao.